Motocross Québec vous est présenté par Importation Thibault. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est PY et je suis content de vous souhaiter la bienvenue à cette émission de Motocross Québec. Aujourd'hui c'est spécial, c'est la journée tant attendue, la journée dont on parle tout au long de la saison. C'est la journée du National à Deschambault. Malheureusement, j'étais pas là la semaine passée. Il y a eu une petite urgence médicale, j'ai dû passer sous le bistouri. Mais aujourd'hui, je pouvais pas manquer ça pour la finale des pros en 2,50, en 4,50 et la finale des pros chez les femmes. C'est aujourd'hui que ça se passe, c'est la 8e manche du championnat national Rockstar Energy présenté par Honda. Il va y avoir de l'action, il va y avoir des dépassements, des courses folles, je vous le promets. C'est aujourd'hui que ça se passe à Motocross Québec. Manquez pas ça. On va parler avec Dan Thibault, le promoteur de la piste. On va parler avec beaucoup de pilotes. Il va y avoir de l'action, je vous le répète, soyez prêts. C'est aujourd'hui que ça se passe, dimanche le 5 août 2018. La 8e manche du championnat national Rockstar Energy à Motocross Québec. C'est là que ça commence. À mes côtés, c'est Dylan Wright, le gagnant de la première moto 250 aujourd'hui au National à Deschambault. Quelle course! Il y a eu Muffenbauer qui a été en premier pendant une bonne première partie de la course.
Malheureusement pour lui et heureusement pour toi, il est tombé, il y a eu un imprévu. Tu as pris la première position puis tu l'as maintenu. Mais oui, exactement. Comme tu as dit, il y a eu un bon départ, lui est en avant. Et je commençais à l'attraper un peu, mais il a fait facile pour moi, il a tombé. Et j'ai pu juste être en première la majorité de la course. Mais Jess Pettis derrière moi, il a mis de la pression. Proche de la fin de la moto, j'ai fait une couple d'erreurs, mais j'ai été capable de remporter la victoire ici. La piste est très bonne, est en très bonne condition. Et j'ai hâte à la prochaine moto pour qu'il soit un peu plus rough parce que j'aime ça. Ouais, on verra, mais je pourrais pas le faire sans toute l'aide de mon équipe, Honda Canada, JDR, Fox Racing, SSS Suspension, Proven Moto. Tous les fans au Québec qui m'encourageaient, c'était bien fun de gagner en avant d'eux. Ils sont toujours une crowd tellement de fun, donc je pourrais pas le faire sans tout le monde derrière moi. Merci beaucoup, félicitations. Puis pour la prochaine course, je te souhaite autant de spectacles, là. Une belle petite bataille encore avec Pérez ou quelqu'un d'autre comme ça, là, c'est super spectaculaire. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Yes. Maintenant, celui qui remporte la victoire au guidon de la GoPro Racing, Honda, accueillons Dylan Wright! Comme à chaque semaine, une petite chronique hypertech. C'est l'heure d'aller retrouver Mathieu Buteau et Olivier Biron qui vont encore nous apprendre un tas de choses sur l'entretien de motocross. On s'en va voir ça. À la chronique hypertech cette semaine, en compagnie de mon ami Olivier Biron, on va vous parler de l'entretien de la moto. Salut Olivier, ça va bien? Salut Mathieu, ça va très bien. Olivier, je te laisse aller, là, montre-moi la petite tournée là, que tu fais sur ton bike avant chaque randonnée. Au début de la saison, on a parlé du lavage de la moto. Donc, à chaque sortie, là, c'est important de faire une petite inspection visuelle générale en commençant par la chaîne. On vérifie la tension dans la chaîne, s'assurer que selon les recommandations. Ensuite, on lubrifie là, avec le SLP. On vérifie aussi la tension dans les rayons. Ça, c'est important, surtout quand la moto est neuve, parce que justement, là, les rayons se placent, il y a un petit étirement qui se fait, donc c'est important de les vérifier à chaque fois. Ensuite, à mesure que la moto vieillit, là, on peut étirer un peu les intervalles. Ensuite, on parle du graissage. Là, quand on a sorti dans la boue, c'est important de venir graisser tous nos roulements au niveau de la suspension arrière, au niveau de la direction aussi. Sinon, c'est quelque chose qu'on fait là, aux 20 heures environ, deux fois par année. La graisse est utilisée aussi au niveau du filtre à air. À chaque sortie, on va venir faire un lavage. On peut mettre de la graisse sur le pourtour du filtre là, pour s'assurer qu'il est bien scellé, exactement. Avec de l'huile FFO sur le filtre, là, vraiment bien réparti de façon uniforme. Ensuite, changement d'huile, on fait ça aux 5 heures environ. C'est pas tant, peu importe que ce soit une huile minérale ou synthétique, c'est pas tant la qualité de l'huile, mais le fait qu'elle se contamine rapidement avec les particules de l'embrayage. Toi, l'huile, tu conseilles là, maximum 5 heures. Oui, exactement. On drop l'huile. Puis on exactement, avec un changement de filtre là, aux deux changements d'huile environ. OK. Ensuite, pour ceux qui ont des suspensions à l'air, ça peut varier. La pression peut varier en fonction des conditions météorologiques, donc la température, la pression atmosphérique, ça fait varier un peu. Puis il y a une petite perte aussi qui peut arriver avec le temps. Donc avant chaque sortie, c'est important de vérifier la pression. Avant chaque sortie et même un coup rendu à la piste, là, la moto déstrappée. Oui, juste avant d'embarquer sur la piste avec la roue dans les airs. Pour mettre notre bonne pression là, c'est ça, dans c'est les suspensions. Ça. Finalement, on peut regarder aussi l'usure de nos freins, donc les plaquettes de frein. Est-ce qu'ils sont usés? Est-ce que si on a un disque qui est flottant, donc s'il y a trop de jeu, là, ça fonctionne pas aussi bien. Ça peut jouer un petit peu sur la direction là, en période de freinage, donc on vérifie ça. On peut faire le tour aussi de la moto, là, tous les boulons, s'assurer que tout est bien serré. Surtout ouais, les premières sorties quand notre moto est neuve ou quand on vient de faire beaucoup de mécanique, démancher la moto au complet. Là, on s'assure de bien vérifier. Là, exactement. Merci beaucoup, Olivier, encore une fois, pour ces judicieux conseils. On se revoit la semaine prochaine dans une autre chronique Hypertech. Ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. We'll be right back.
Ensuite, on aura Jenny Fook, Sarah Kilpinut Kevin, en cinquième, Megan Borer, en troisième, Kevin Miller. À mes côtés, vous la reconnaissez, Eve Brodeur, qui vient de gagner la manche du championnat national première. Comme tu disais tantôt, avant qu'on entre en onde, tu n'avais pas gagné l'année passée, mais tu t'en viens une habituée de finir première au national. Oui, bien, dans le fond, c'est ça. J'ai pas gagné le championnat l'année dernière. Puis ce matin, dès la première course, je l'avais gagné, je l'avais dans la poche. Fait que c'est tellement une fierté pour moi. Et puis on n'en a jamais trop. Fait que c'est sûr que c'est tout le temps excitant, un close. Fait que puis cette année, j'ai eu tellement de plaisir. Pour vrai, j'ai décidé d'y aller comme juste pour le fun, pas de pression. Puis ça l'a tellement payé, fait que je suis contente. Quand on s'en met pas trop ses épaules, des fois. Ah ouais, ça fait toute la différence. Les conditions aujourd'hui, c'est une méchante belle journée. La piste est belle. C'est sûr que la compétition est féroce, mais ça a très bien été. Ouais, dans le fond, dans la première moto, la piste, il avait arrosé un petit peu, fait qu'elle était un petit peu plus boiteuse, mais elle était vraiment belle. Je suis partie au chat, puis j'ai juste resté en avant jusqu'à la fin. Dans la deuxième moto, ils ont presque pas fait de préparation. Puis je vais te dire de quoi, c'est une des fois que j'ai vu Deschambault le plus difficile à conduire. Les sauts, ils se faisaient presque plus. C'était quelque chose. Puis là, en plus, j'ai fait une erreur dans le premier coin. Je suis partie comme 5-6, mais dès le premier tour, j'étais revenue première. Fait que c'est ça qui compte. Ça n'a pas niaisé avec la POC, mais ça niaisait un peu plus avec la POC quand c'était le temps d'ouvrir ta bouteille de champagne. Oui, mais on penserait que je viendrais habituer, mais ça a l'air que non. Là, écoute, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Tu t'en es même mis dans l'œil un peu. Oui, bien, écoute, c'est pas juste moi. Là. On était tellement que je pouvais même pas ouvrir mes yeux. Ça arrivait de partout. En tout cas, félicitations. Bravo encore pour ta première place. Merci. T'es la meilleure. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise donc? Merci. Merci, là. Beau, mais il faut aussi avoir l'équipement nécessaire pour transporter tout ça. C'est l'heure de la chronique Importation Thibault avec le très sympathique Dave Auclay et on va le rejoindre avec Mathieu Buteau. Il va nous expliquer un petit peu et nous parler d'un équipement nécessaire et très utile à avoir lorsqu'on veut transporter sa moto dans sa roulette. On va les écouter. Mathieu Buteau en compagnie de Dave Auclay pour la chronique Importation Thibault. Bonjour Dave, ça va bien? Ça va très bien, merci. Dave, cette semaine, tu nous as amené un système de transport pour la moto, si on peut appeler ça comme ça. Quelque chose là, que je trouve vraiment bien. Je vais te laisser nous donner quelques explications là-dessus. C'est justement, ça s'appelle le MX Grip. C'est un système de transportation pour les motos, pour les motocross en particulier. Qu'est-ce que ça fait? C'est que justement, on la fixe dans le fond de notre remorque. Il y a des plaques adapteurs que tu peux fixer sur le plancher. Tu les laisses en permanence là-bas. Puis là, après ça, tu peux fixer le système par-dessus la plaque adapteur. Okay. Okay. La plaque aussi, il y a des loupes pour tenir des sangles si jamais que tu veux avoir encore plus de sécurité de transport de la moto, pour la sécuriser en place. Mais comment ça fonctionne, c'est que tout simplement, une personne est capable de rentrer dans son remorque avec sa moto en rentrant les roues entre les deux poteaux. Quand que les foot pegs ou les appuis-pieds arrivent vis-à-vis ça, tu l'écrases, il se barre tout seul. Après ça, on embraye un petit pin de sécurité pour assurer que justement qu'il ne s'ouvre pas durant le transport. Et puis tout simplement, c'est ça. Là, tu n'as pas besoin d'écraser la suspension à long terme. Oui, bien c'est ce que j'allais dire, Dave. C'est vraiment un bon point, là, parce qu'on sait tous que tenir les suspensions là, bien écrasées pendant plusieurs heures, c'est pas nécessairement bon. C'est que c'est vraiment un système là, que je crois que les gars d'AMX vont apprécier. Oui, ça va assurer que tu ne passes pas à travers des cils de fourche prématurément. C'est, tu sais, les ressorts puis les cartouches à l'intérieur des fourches compliquées aujourd'hui. Mais là, justement, ça donne que ta suspension reste à l'aise. Merci beaucoup, Dave, pour ces détails très intéressants. Chez Importation Thibault, un rack de transport pour votre moto dans les remorques. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault.
mes côtés, vous le reconnaissez, c'est Kevin Benoit, un gars qui n'a plus besoin de présentation, vient de gagner une méchante course. Bravo, premièrement. Oui, merci. Hey, ça a été spectaculaire. Moi, ça fait pas 15 ans que je suis dans le milieu du motocross. C'est ma deuxième année seulement, mais je pense que c'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie en motocross. Premièrement, ton dépassement sur Medaglia, qui était à s'en arracher les cheveux de sa tête. Si j'en avais, je l'aurais fait. Puis après ça, sur Thompson, t'es venu le chercher. Quelle course de fou! Ouais, je dirais que j'ai eu quelques victoires cette saison, là, mais c'est définitivement ma plus belle victoire de la saison. Je suis vraiment content de l'effort que j'ai mis. J'ai pas eu un super de bon départ. Là, pour nous, cinquième, c'est pas un bon départ. Le calibre est tellement serré, il faut être en avant. Là, j'ai fait des dépassements le premier tour, puis comme tu dis, Tyler, j'ai du fil à retordre pas mal. Il a fallu que je sorte un petit truc de ma poche arrière, puis super le beau dépassement. Puis après ça, j'ai remonté sur mon coéquipier. J'ai été capable de faire un dépassement assez rapide sur lui. J'ai tout donné, j'ai dépensé beaucoup d'énergie. Le rouge qu'on appelle, là, quand on se fait lancer du sable par les autres motos, là, c'est vraiment dur sur l'énergie. Ça empêche de bien respirer, tout ça. Puis j'ai mangé beaucoup de sable dans cette course-là. Puis j'ai jamais lâché. J'entendais le public là, qui criait. Ça me redonnait tout le temps un gain. Puis vraiment satisfait de ma victoire. Parce qu'il faut pas en douter, là, l'appui du public, là, ça fait un petit quelque chose pendant qu'on est en course. Ah, moi, j'ai toujours adoré courir au Québec. C'est tout le temps mes courses favorites. Le monde, ils sont juste incroyables. Ils sont sur le bord. Ils m'encouragent. Puis quand que je suis comme, ah, c'est là, je sais pas si je vais l'avoir, je suis comme tout le temps. On dirait que ça me donne un petit extra, là, tu sais, un petit extra motivation. Puis c'est vraiment le fun de courir devant la famille, les amis, puis tous les fans ici à Deschambault. Là, c'est... Méchante belle journée, les conditions étaient quand même excellentes aussi. Oui, Dan et son équipe ils ont fait un super de bon job. La track est excellente aujourd'hui. Le sable est bien humide. On a des bonnes conditions, c'est super. En tout cas, félicitations. Moi, tu m'en as mis plein la vue. J'ai été flabbergasté, puis probablement qu'il y a 99,9% des gens aussi. Félicitations. Merci. Un champion, ce Kevin Benoit. Merci, man. Merci. À mes côtés, le promoteur de l'événement d'aujourd'hui, vous le connaissez déjà, Dan Thibault. Salut, Dan. Salut. Une méchante journée pour toi aujourd'hui, puis une méchante semaine, en fait. Là, c'est de l'organisation, c'est du temps. Regarde, je te prendrai pas 10 minutes de ton temps aujourd'hui, c'est promis. Là. Non, j'ai du temps pour vous autres. On a eu une grosse semaine. On a une grosse équipe en arrière de nous autres. On a eu le beau championnat national amateur. Aujourd'hui, bien, ça serait sur le Sunday. Il y a du monde ici comme qu'il n'a jamais eu. On a beaucoup de spectateurs. Kevin vient de nous donner un excellent show avec Medaglia. Quoi demander de plus? C'était complètement magnifique. La température est au rendez-vous. Merci à Honda Canada. Merci à Motovan, à Shot Race Gear. Un événement comme ça, c'est quelque chose. Je commence à m'en sentir. Là. C'est avec les années, là, on travaille fort depuis des années pour réussir à monter ce show-là. Je pense qu'on est rendu à une échelle assez élevée au Canada. On a une belle réputation. On va continuer à grandir. On va corriger encore des erreurs. On va améliorer le show. Je pense qu'on a atteint un point assez satisfaisant là, qu'on ne pensait pas atteindre là 10 ans. Regarde, comme je disais tantôt avec des coureurs que j'interviewais, ça fait pas 20 ans que je suis dans le milieu, là, mais il me semble qu'aujourd'hui, là, la qualité des courses, le nombre de personnes sur le site, c'est vraiment, là, comme tu dis, on vient d'atteindre, là, on vient de mettre la barre très haute là, pour les années qui s'en viennent. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de provenance. Là. Les coureurs viennent de partout pour les nationaux. Il doit y avoir des retombées quand même assez importantes pour la région ici, là, grâce au national à Deschambault. Ah, écoute, le national de Deschambault génère au moins 270 000 de retombées économiques juste pour la semaine. La municipalité de Deschambault, Grandine, nous appuie à 250 %. Les députés de Portneuf, on a aussi la MRC hein, qui regroupe toutes les municipalités, nous appuie là-dedans à 200 %. On est très fiers de ça, d'avoir une piste de motocross, que les gens de Portneuf nous appuient là-dedans. On amène de bel argent. On a 96 % de gens qui viennent de l'extérieur du Québec et seulement 4 % qui viennent dans un rayon de 40 km. Fait que ce qui fait que c'est tout de la nouvelle argent qui rentre dans Portneuf. Fait que c'est une autre chose qu'on a bien fait, bien fier ça. Méchante belle réussite. Je te laisse aller t'occuper de tes affaires. Félicitations, Dan. Regarde, ça fait plaisir. Puis merci à Télémac.
Eh bien, voilà, que dire de plus que quelle journée de débile mental. On a eu des courses de fous, comme je vous l'avais promis au début de l'émission. Félicitations à tous nos coureurs québécois qui ont remporté les grands honneurs, comme Kevin Benoit, F. Brodeur. Bravo, ça a été une journée incroyable. Moi, honnêtement, j'ai été dans le pit en haut toute la journée pour regarder les courses. J'ai rarement été flabbergasté comme ça par des épreuves de motocross. C'était wow! En tout cas, merci à vous d'avoir été à l'écoute de Télémag. Je vous souhaite une super belle journée. Je vous rappelle que si ça vous intéresse de revoir l'émission d'aujourd'hui, c'est possible de le faire, en visitant le site télé-mag.tv ou encore sur motocrossquebec.tv. Profitez-en également pour aller liker la page de Motocross Québec. Ça fait toujours plaisir si vous voulez laisser des commentaires également. On se dit à la semaine prochaine. Même jour, même heure, même poste. Salut tout le monde. Motocross Québec vous a été présenté par Importation Thibault.